te conseille d'arrêter YouTube. Mais arrêtez là, je vais finir par pleurer. Arrête YouTube, Choco. Tout va bien, ça va bon. Je pensais pas que ça allait me toucher. Mais Choco Pops, aujourd'hui je me suis clairement levée du mauvais pied. J'étais tranquillement dans mon lit bien installé au chaud. Je me réveille, j'ouvre mon téléphone, ce qu'il ne faut jamais faire. Et je reçois quoi? Notification. Un méchant Choco Pops m'a clairement insulté. Donc ça veut dire que la première chose que je me vois en me levant, c'est un hater qui est en train de m'insulter. Ça veut dire que ça a tué toute ma journée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais répondre aux méchants commentaires. Si vous ne savez pas, les youtubeurs ont une application qui s'appelle YouTube Studio, qui permet donc d'avoir les analytics, d'avoir les statistiques de nos vidéos, et aussi d'avoir un accès direct aux commentaires. Et évidemment, qui est allé là-dedans? C'est moi! Donc en plus d'avoir reçu une insulte dès le matin, j'ai décidé d'aller dans les méchants commentaires. Quelle idée! Bref, du coup, aujourd'hui, nous allons ensemble aller sur mon YouTube studio qui est juste ici. C'est là où en fait j'ai donc mon tableau de bord. Donc là vous voyez qu'il y a mes petites vidéos. Et juste ici on a l'onglet commentaires avec tous les commentaires normaux qui ont été publiés. Et on a juste à côté la catégorie en cours d'examen. Donc je me suis dit pourquoi pas aller aujourd'hui avec vous dans cette catégorie en cours d'examen. Et c'est dans cette catégorie où se cachent tous les méchants commentaires, les insultes. Vraiment, quand on est youtubeur, on sait que ici c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas aller à moins qu'on veuille passer une très mauvaise journée. Hop, on clique sur en cours d'examen. On est dans cette catégorie, ça commence à me gratter là. Et je vois déjà tes vidéos sont éclatées au sol. Ça promet là, ça promet. En tout cas, ce qui va être sympa aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir voir du coup l'envers du décor en tant que youtubeuse, ce que nous, on peut avoir comme commentaire. Et deuxièmement, on va se faire un malin plaisir à bannir toutes les personnes. Des fois, quand je reçois des méchants commentaires, juste de cliquer avec ma petite souris, ça fait tellement du bien. Avant que la vidéo débute, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner avec la cloche, de lâcher le pouce vers le haut, car on approche bientôt aux 1 million d'abonnés, alors merci à vous. Et on n'oublie pas le code créateur Choco dans la boutique de Fortnite pour ceux qui jouent à Fortnite. J'ai clairement mis un pull Fortnite parce que j'étais devant mon placard et je savais pas quoi mettre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, il fallait la plupart. Oh non, ça fait. Oh, me dis même pas que j'en ai mis sur l'objectif. Mais quelle conne. Je voulais vous mettre du parfum pour faire genre. Oh non, j'ai cassé ma caméra. Mais la vidéo elle a même pas commencé que je vais pleurer. Les gars, non. Quelle catastrophe. Bon, avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco? Choco, balance la pub! Quand la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Eh, hey, je le jure, je sais pas qui me jette un mauvais sort là. Voilà, appareillage surchauffé. Je vous ai dit, je passe une mauvaise journée. C'est une catastrophe, ok, je viens de relancer le tournage. Je vous ai dit, ça c'est que le début. Alors, du coup, on a Asa Fofana qui me dit tes vidéos sont éclatées au sol. Alors, je sais pas quel âge tu as, mais je vais commencer à te débiter, parce qu'on n'écrit pas TES comme ça. Si au moins je peux servir à quelque chose puisque mes vidéos sont éclatées au sol, je vais t'apprendre un petit peu, je vais te faire un petit cours de français. Alors, T ou T apostrophe ES, quand utiliser T? TES est un déterminant possessif généralement suivi d'un nom. Donc, ce n'est pas T apostrophe ES, mais bien TES. Voilà, c'était Choco votre prof. Eh hey, les gars là, les gars, les hommes, les femmes, je vous ai dit, je passe une mauvaise journée. Pourquoi? Ok. Tout va bien, ne faites pas attention à ça, je vais éteindre la lumière. C'est pire! C'est pas grave, on va repartir sur les commentaires. Je vais en bannir et pas qu'un seul. On reprend. Franchement, je vais regarder cette vidéo quand elle sera publiée, je vais me moquer de moi-même. Ok, bon, du coup, toi, t'es banni. On poursuit avec le deuxième méchant commentaire. On a Obitomain qui dit... Tu es une connasse, c'est trop bon le morito connasse. Connasse. Ouais, mais encore. T'es ban! Pourquoi? Chacun a le droit d'avoir ses goûts. C'est quoi ton problème? Nadine Valbon qui commente sous ma vidéo « Mon chien contrôle ma vie pendant 24 heures » d'ailleurs qui était assez sympa. Elle est conne. D'accord, mais du coup Nadine, on se regarde dans le blanc des yeux, je comprends pas. Tu viens en bas de chez moi, tu viens me le dire, je t'attends. Eh, les gens se permettent beaucoup trop de choses vu qu'ils sont derrière un écran. On est où là? Tu m'insultes de conne? Argumente, je veux savoir pourquoi je suis conne. Allez, t'es banni. Ah bah non, du coup, ouais, tu pourras pas, je te laisse pas t'exprimer, tu n'auras pas la possibilité de m'expliquer pourquoi je suis conne. Dehors. Poursuivons. Cybermaster qui dit, j'ai une idée de vidéo assez extrême pour toi. Ok. Passer 48 heures dans les toilettes. C'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont assez cocasses, mais là je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs de 1, tu m'as commenté ça sous une vidéo. Après je peux comprendre parce que t'as une idée de vidéo qui pouvait être assez drôle, mais t'imagines je fais une vidéo comme ça. Et deuxièmement, je comprends pas pourquoi le robot YouTube a considéré ça comme un commentaire à mettre en examen.
Je comprends pas trop. Bon, je te le dis honnêtement, en soi, jamais de la vie j'aurais fait cette vidéo. Mais là, pour le délire, je me dis en vidéo, pourquoi pas faire. Non, c'est gigagrine. Vous imaginez, vous êtes là, vous êtes tranquillement sur votre téléphone, là vous recevez une notification. Choco vient de publier une vidéo. Je passe 48 heures aux toilettes. Comment je vais faire pour vivre, manger, dormir? Non, les gars, là c'est trop. Là c'est hardcore. Si vous êtes chaud pour l'idée de Cybermaster, je veux voir 70 000 pouces bleus. S'il y a 70 000 pouces bleus, je n'ai qu'une parole. Je fais une vidéo 48 heures dans les toilettes. Cette chaîne n'a aucun sens, on est des malades. Je l'ai juré. Il y a 70 000 pouces bleus. Hey Cybermaster, je sais pas pourquoi tu m'as envoyé, mais tiens, je like, j'approuve ton commentaire. En parlant de vidéos, j'aimerais savoir quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Genre, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les pranks, les challenges, mais dites-moi là maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez même me voir en featuring avec des youtubeurs youtubeuses, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, comme ça au moins je m'adapte à vous et je réalise aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Par contre, j'ai quelque chose qui me turlupine. Je vais aller dans paramètres. Comment ça se fait que ce commentaire a été mis en examen? Mot bloqué, voilà, c'est là. Donc là, oula! Il y a clairement mon adresse. Ouais, j'ai mis mon adresse au cas où parce qu'il y a des petits. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. Mais en ce moment, il y a des personnes qui me cassent les pieds. C'est pas des abonnés pour moi, je considère ça comme des haters. Mathieu en a parlé dans une de ses vidéos. Et franchement, là, je commence à le rejoindre progressivement avec ce qu'il a dit. Même pas progressivement, je le rejoins totalement sur ce qu'il a dit. Il y a des personnes qui commencent à leak mon adresse. Je pense que j'en parlerai complètement dans une vidéo. Mais je vous mets un extrait maintenant. En sortant de la salle de sport, il y a un abonné qui a crié mon adresse avec ses potes dans la rue. Genre vraiment une catastrophe. Je vous mets la vidéo. Choco quoi là, putain? Dans la vidéo, on entend clairement dire le mec je sais où t'habites, donc oui, pour vous c'est bipé au montage, mais l'abonné était clairement en train de crier mon adresse et il y avait ses potes à côté et le mec me suivait. C'est une dinguerie. Donc s'il y a des abonnés qui passent par là ou même des personnes qui se rendent pas compte de ce qu'ils font, sachez que ça peut aller vraiment très très loin. Donc s'il vous plaît, si vous savez où j'habite, n'appelez pas chez moi, ça sert à rien, ne toquez pas, ça ne sert à rien, personne va vous ouvrir. Et c'est juste une dinguerie de faire des trucs comme ça. Genre la prochaine fois que ça m'arrive, je pense que je le chope par le callback, le petit là, et je vais porter plainte. Reprenons. Elle a vraiment, je suis aigrie là. Oh, entre les commentaires, la caméra, mon réveil de ce matin, y a rien qui va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Elise Cola qui m'a dit: est-ce que je suis amoureux de toi? Un truc secret pour toi? J'ai envie d'avoir ton code, ton prénom, ton nom avec toi. Je suis pas dans le cœur, c'est juste que j'aime roi de toi. Je mens, 18 ans, je suis majeure et j'ai pas de femme. What the f... Les gars, c'est quoi ce commentaire de zinzin? Eh, si quelqu'un arrive à me décrypter dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis majeure et j'ai pas de femme. Mais on est où, les gars? Mais où est-ce qu'on est? Mais ça va pas, Elise Cola? Qu'est-ce qui t'est tombé dans la tête, là, pour m'écrire ça? Désolée, mais je vais supprimer, c'est beaucoup trop gênant. Y'a des commentaires, là! Oula! C'est quoi ces blagues de merde? Sous la vidéo, un week-end dans la vie de Choco. Ah, quand je faisais des vidéos Fortnite à l'époque, je sais pas trop comment le prendre. On va juste supprimer ton commentaire, on va pas te masquer pour ça. Pas non plus approuver, parce que je trouve ça un peu méchant de dire que je fais des blagues de merde. Même si je le sais pertinemment au fond de moi, mais j'ai pas forcément envie de me rappeler constamment que je fais des blagues de merde, sinon ça baisse ma confiance en moi et mon estime de moi. On supprime ton commentaire. C'est quoi cette vidéo? C'est du multiverse. Fifi qui me dit: tu es vraiment la best des best et je voulais te poser une question, vraiment une petite question très discrète. Mais personne est trop drôle, what? Est-ce que tu seras à la Maïdinasia du septembre 2023 car j'habite en Belgique et je ne sais pas venir en France car mes parents ne veulent pas et en plus j'étais venue à la Maïdinasia du 3 mars et tu avais fait une dédicace et j'avais une veste mauve. Et bah gros bisous, gros dédicace, t'es venu me voir et ça fait vraiment plaisir. Toutes les personnes qui sont venues à la Maïdinasia en Belgique, vous êtes les boss. En revanche, malheureusement non, je ne serai pas, surtout c'est pas prévu pour le moment que je sois présente à la Maïdinasia de Belgique ce septembre. Pourquoi ça a été bloqué? Ah, parce que Lilou Gaming a dit: Aya, t'es conne. Bah c'est pas cool, Lilou. Choco Kim qui débarque dans la conversation et qui répond: alors fais marcher ton cerveau et aussi réfléchis à ce que tu dis avant de dire. Car c'est pas cool de dire: je ne comprends rien du tout, laisse tomber. C'est vexant et c'est la vérité. Alors garde tout ça pour toi. Il y a clairement une embrouille. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, on va supprimer. Il y a pas d'embrouille, tout va bien. Et toi, on approuve. Pas d'embrouille dans mes commentaires, ok? Asma Shorfi qui me dit: elle a répondu à toutes les questions et toi non. Si tu le dis pas, je me désabonne, désolé. C'était dans la vidéo ou détecteur de mensonges. Je vous mets quelques extraits. C'est la personne que tu trouves le plus beau à Webedia. La personne que je trouve le plus beau à Webedia. Ouais. Allez, je vais pas dire son prénom, après ça va être gênant. En gros, c'était un détecteur de mensonges avec mon ex meilleur ami, parce que oui, nous sommes plus meilleurs amis. Commencez pas avec vos questions indiscrètes. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, oui, j'avais pas répondu aux questions. En fait, j'étais tellement malaisée à ce moment-là que malheureusement, je n'ai pas répondu aux questions. Et sur le coup, une fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit: wesh, j'avoue que cette fois-là, t'as abusé, t'aurais clairement dû répondre. Sinon, à quoi ça sert de faire la vidéo? Je m'excuse à toutes les personnes du coup qui ont mal pris la vidéo parce que j'ai reçu vraiment énormément de messages en mode: bah, t'es sérieuse, à quoi ça sert? Bah, je me désabonne. Bah, c'est pas grave, tu sais quoi, Asma, je t'en veux pas. Je vais pas supprimer ton commentaire. Tu me fais un peu des menaces là, mais c'est pas grave, j'accepte, j'approuve. C'est le jeu, c'est le métier de youtubeur. Voilà. J'accepte. On a Ali Bella Sen qui me dit: tu es musulmane ou musulman? Je suis pas un mec. Mais attendez, il a clairement dit: tu es musulman, musulmane.
Tu bois de la bière, sniff sniff. Tu es marocaine, non? Red Bull, c'est de la bière. Alors non, mon petit Ali. Eh ben non, en fait, dans le Red Bull, est-ce qu'il y a de l'alcool dans le Red Bull? Comme tout cola ou boisson non alcoolisée, voilà. Je suis désolée de te décevoir, ou alors au contraire, je suis heureuse de te l'apprendre. Voilà, et non, du coup, je ne bois pas d'alcool. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés me demandant si je suis musulmane. Je pense que vous vous doutez de ma religion. Mais je suis dans l'optique de ne pas forcément trop parler de ça. Je pense qu'il faut savoir faire la différence entre Choco et ma vie privée. Voilà. Que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu, ou que je mange du cochon, que je mange pas de cochon, que je sois musulmane ou que je sois. Bref, ça me regarde que moi et j'ai pas forcément envie d'impacter votre avis là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas si je suis musulmane ou pas, si je suis chrétienne ou pas. Voilà. Choco, t'es la meilleure coaching comme ça. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu réponds à toutes les questions? Tu pourrais faire une FAQ. Bah, si ça vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sympa avec nous, vous et moi, c'est qu'on communique beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien parler avec vous dans les commentaires, lire vos commentaires, vous poser des questions et ensuite liker vos commentaires. Ce qui est assez dommage avec le YouTube de maintenant, c'est qu'il y a énormément de vidéos. C'est mon avis, évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est qu'il y a énormément de vidéos qui sont maintenant produites avec une grosse production, avec plein d'invités, avec plein de youtubeurs. C'est cool, mais moi je suis toujours dans ce mood de YouTube où c'est du vlog, où c'est de vous à moi, de toi à moi. Je trouve ça dommage qu'il y ait tellement de production que maintenant on a l'impression de perdre ce petit côté YouTube. Donc moi j'essaie de justement pouvoir parler avec vous, faire des vidéos face cam dans mon studio. Moi je trouve ça très simple et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment un lien. Voilà, une alchimie. Merci, bon prochain commentaire. Là je commence à retrouver mon sourire. Alors, Mona qui dit c'est quoi ton vrai prénom? Dis-le nous, Stepé, je rêve. Oh, t'es trop chou. Bah mon prénom c'est Safa, S-A-F-A. Voilà, j'accepte ton commentaire, pourquoi il s'est mis là? On a Samy RPG qui dit elle a plagié à Michou, je rêve. Dans la vidéo où j'affronte ma phobie des cafards. Quoi? Je savais pas que Michou avait fait ça. Regardez, oula, ça peut arriver, hein. Ça se trouve que c'est le cas, mais du coup non, j'ai pas plagié. Michou, j'affronte ma phobie des cafards. Je teste mes limites. Ah, il a fait une vidéo où il testait ses limites. Ok, c'était pas sa phobie des cafards. Ok, mais je vois où tu vas en venir. Mais du coup, non, j'ai pas plagié. C'est ça aussi le problème quand t'es youtubeur, c'est qu'à chaque fois que tu fasses quoi que ce soit, on va te dire que t'as plagié. Je vais supprimer ton commentaire. Voilà. Francis qui me dit ma phobie, c'est de regarder ses vidéos. Désabonnez-vous. Mais je vais te faciliter le travail. Masqué. Mais c'est trop méchant, vous êtes trop méchant en fait. Mais là, je suis dans la catégorie des gens méchants. Bah oui, c'est Choco. Emna qui me dit t'aimes pas les barquettes, mon dieu, je me désabonne. Et je vais te faciliter le travail. Tiens, masqué l'utilisateur. Hop hop hop. Te surprends pas à... Mais quoi? Mais y a que des... Mais là, je vais pleurer là. Mimi Roblox qui me dit te surprends pas qu'après cette vidéo, tu perds des abos. Dans la vidéo, je regoute les aliments que je déteste. En gros, je disais que j'aimais pas les sushis. J'ai retesté en fait les aliments que j'aimais pas. Mais Mimi Roblox, toi aussi, t'es grave méchante. Je le prends trop mal. On va regarder si j'ai perdu des abonnés dans cette vidéo. Données d'analyse. Eh ben non, 4700 personnes se sont abonnées à la chaîne. Let's go. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous faites partie des 4700, je vous aime. Merci beaucoup. Mais du coup, bah non, Mimi Roblox. Toi, par contre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai bien fait de la bannière ou pas? Ahmed le BG qui dit moi j'ai pas envie de regarder ta vidéo. Point d'exclamation. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends de ton temps pour dire que tu veux pas regarder la vidéo, mais pourquoi? On supprime juste. Toby qui dit je suis abonné, j'aime tes vidéos, mais t'as un palais de chien. On me le dit souvent que j'ai un palais de Doberman. Je t'en veux pas, j'approuve. JM Martinez, où je réalise vos pires défis, qui dit dans ta prochaine vidéo, ridiculise-toi devant l'accueil de Webedia. Et bah, 70 000 pouces bleus dans la prochaine vidéo, dans l'intro. Dans l'intro de ma prochaine vidéo, s'il y a 70 000 pouces bleus, je me ridiculiserai devant Webedia. Au top. Parfait. Titre fake, c'est simplement du putaclic masqué. Chocolat, tu manges du porc et t'es musulmane. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi qui te dit que je mange du porc? Je te conseille d'arrêter YouTube. Mais arrêtez là, je vais finir par pleurer. Ma puce, des emojis qui rigolent avec des doigts d'honneur, ta maman. Pourquoi tu mets des doigts d'honneur à côté de ma mère? Je comprends pas. TG, mais je te masque, mais arrêtez, mais ah, je vais finir par pleurer là, c'est trop méchant. Arrête YouTube, Choco. Normalement, franchement, je m'en fous, mais là, je suis de mauvaise humeur, ça commence à me toucher là. Des emojis méchants encore. Arrête les vidéos, Choco, continue l'école. Je pensais pas que ça allait me toucher. Vu que j'ai eu plein de méchants commentaires d'un coup et que j'étais de mauvaise humeur, ça m'a touché un peu. Vous voyez comme quoi le métier youtubeur, il est pas très facile, hein. C'est. Faut accepter les critiques, faut pas être trop sensible comme moi. Wow. Je suis un peu chamboulée, les amis. Je pensais pas que j'allais être touchée, quand même. Ça met un peu mal à l'aise que vous me voyez dans cette situation. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Tout va bien, ça fait bon. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous mercredi à 14h15 pour la prochaine vidéo. Et désolée si je suis émotive. Ça fait bizarre de faire une fin de vidéo comme ça, mais bon, c'est la vie. Plein de bisous. Ah, ça met mal à l'aise. Allez, on part avec le sourire. Bisous! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.